be your life. What's gonna be your destiny? Amen. Amen. On to Genesis chapter 12. Abraham avait un choix. Abraham had a choice. What? Either. De sortir. Getting out. De sa patrie. Of his land. De sortir. To get out. De la maison de ses parents. Of the house of his parents. Comme Dieu lui avait dit. As God told him. Il était libre. He was free. De faire le choix. To make the choice. Soit de sortir. Either to go out. Soit de mourir. Either to die. Donnez-moi un amen. Give me an amen, please. Noah avait un choix. Noah had a choice. Il avait un choix fait. He had a choice to make. Soit d'entrer dans l'arche. Either to enter into the ark. Parce qu'il y avait un danger qui arrivait. Because the danger was coming up. Soit de ne pas entrer. Oh, not to enter. Abraham avait un choix. Abraham had a choice to make. Soit de sortir. Either to go out. Soit de rester dans sa patrie. Or to stay within his land. L'Église a donné moi un amen. The church gave me an amen. Rebecca. Even Rebecca avait un choix fait. Had a choice to make. Soit d'accepter d'aller avec le serviteur d'Isaac. Either to accept to go with Isaac's servant. Soit de rester avec ses parents. Either to stay with her family. C'est pourquoi ses parents l'ont appelé. That's why his parents called her. Veux-tu aller avec cet homme? Do you want to go with his man? Il a dit. And she said. Oui. Yes, I will go. And the prophet said, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, être impacté. You cannot be in. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manquer. It means you cannot miss. Vous ralliez. To join. Soit dans le bon choix. Either with the good choice. Soit dans le mauvais choix. Or within the bad choice. Ah, because. Dans Josué chapitre 2. Chapter 2. Alors que les messagers sont rentrés dans le pays. While the messenger entered into the land. Les messagers ont visité le pays. The messenger visited the land. Et Rahab avait dit. And Rahab said. Je vous ferai dans ma maison. I'll let you to my house. Mais qu'est-ce que vous me donnerez? Vous me donnerez comme gage. What you gonna give me in return? Les messagers ont dit à Rahab. The messenger said unto Rahab. Prenez ce fil rouge cramoisi. Take that red cramoisi. Attachez-la sur les fenêtres sur lesquelles nous sommes sortis. And I hook it onto the window we escape. And once you're going to come into the land, nous serons quittes du serment que nous vous faisons faire. We're going to be angry about the sin. Si vous enlevez cette fil, ce fil cramoisi, if you remove that cramoisi cord, et que votre maison est attaquée, que vous êtes morte, and your house will attack and you die, cela ne nous engage pas. And it doesn't, you know, God et elle a fait le choix, and she made the choice de pouvoir attacher jusqu'à l'entrée des espions. To attach upon the coming of the spies of Israel army. Et c'est ce qu'il avait sauvé mon frère. And this is what saved my brother. Est-ce que vous suivez bien? Are you following me well? C'est ce qui les avait épargnés. This is what spared. Donc chacun de nous a un choix à faire. Each one of us got a choice. Et vous pouvez lire dans la brochure le choix de l'épouse. And you can read in the book the choice. Très bonhomme dit le choix doit être rapide. But the Bible said the choice must be. Le choix doit être sincère. The choice must be sincere. Pourquoi Why in it? Avec qui condamner Dieu? Condamne God. Lorsqu'il a, il est tombé. When he fell. Et que Dieu est venu à Adam, où es-tu? And God came in and he said, where are you? Il a dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin. He said, I heard your voice into the garden. Et j'ai eu peur. But I got scared. Parce que j'ai mangé des fruits dont tu avais défendu. Because I ate of the fruit you forbade. Le prophète nous dit, chers amis. The prophet tells us, dear friends. Que depuis ce jour-là, Dieu ne fait plus le choix pour quelqu'un. That since that very day, God doesn't make a choice for us. Parce que son fils l'avait condamné. Because his son condemned him. C'est la femme que tu as donnée, tu m'as donnée. He said, it's the wife who gave me. Elle qui m'a séduit. It's her who deceived me. Aujourd'hui, chers frères. That's why today, dear brother. Le choix est individuel. The choice is. Le choix est libre. The choice is free. Le choix est libre. The choice is free. C'est pourquoi un jeune homme. That's why young men. Pourquoi le choisir une femme? Has a right to choose a woman. Et la femme a le droit d'accepter ou de refuser. And the woman has a right to accept or refuse. Cela ne veut pas dire parce que le frère est arrivé, vous êtes obligé de l'accepter. It doesn't mean because the brother came, you are compelled to accept. Tu dois regarder le caractère de ce frère par rapport à la parole. You must look to the character of the brother regarding. Si le frère ne remplit pas les conditions de la parole, ne le choisissez pas par pitié. If the brother doesn't fulfill the character of the word, does not fit him by pitié. Non, il ne vit pas la parole de Dieu, ne le prenez pas parce que tu as pitié de lui. He does not live the word of God, don't take it because you are pitié. Sinon, c'est toi qui vas souffrir. Otherwise, you're going to be suffering. Si vous croyez cela, donnez-moi. If you believe, give me an amen. Je veux que vous faire comprendre quelque chose. I would like to have you understand something. Ainsi, depuis la chute de l'homme, since the fall of man, jusqu'à la mort du Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, until the death of the Redeemer, our Lord Jesus Christ, le paradis, the
fer and hay étaient ensemble. Were together. D'accord? Is it okay? C'est pourquoi. That's why. Lorsque le roi Saül. When Saul came. Il était parti consulter une sorcière d'Andor. Let him check out a sorcerer of Andor. Pour lui faire remonter Samuel. To have Samuel come down. Celle-ci. Of this one, il, elle avait la capacité de le faire sortir. She had the ability to have him come. C'est parce que c'est lui qui était le maître de cet endroit qui est l'enfer. And because the master of that place which was this, c'était Satan. He was Satan. Et cette femme sorcière, and that sorcerous woman, elle était un agent au service de, du diable. She was an agent on the service of the devil. C'est pourquoi lorsqu'elle a voulu que Saül puisse apparaître, that's why she wanted Saul to appear. Elle a contacté son maître Satan. She contacted her master Satan. Au travers des pratiques magiques, through practice of magic, et Satan lui a envoyé Samuel. And Satan sent her Saul. Est-ce que quelqu'un comprend? And someone understand. Vous allez lire ça dans 1 Samuel chapitre 28 verset 7. You're going to read in 1 Samuel 28:27. Donc, avant la mort de Jésus-Christ, therefore, before Jesus Christ died, le ciel, the heaven, le paradis, paradise, et l'enfer, and hell, étaient unis, were joined together. Croyez-vous cela? Do you believe it? Mais après la mort de Jésus, like after Jesus, après sa résurrection, after his resurrection, après son enlèvement, after his rapture, cet endroit-là, very place, où les saints de l'Ancien Testament, where the holy of the Old Testament, se reposaient, were resting, a été supprimé. Been suppressed. Donnez-moi un amen. Give me an amen. Et ces saints-là, and those holy, sont partis. Went. Et cet endroit que ils habitaient. And the place they used to dwell. Les démons en ont occupé. The demon, you know, took hold of him. Ils ont occupé cet endroit qu'on appelle l'enfer. They took hold of that place called hell. Ils ont occupé ça. They took the hold of it. C'est pourquoi, cher frère. That's why, dear brother. Dans Luc chapitre 23. On Luke chapter 23. Dans Luc chapitre 23. On Luke chapter 23. Il y a eu deux personnages importants. There were two main characters. Le ou même trois. Or even three. Le premier, the first, c'était le riche. He was a rich man. Le deuxième, and the second, c'est Lazare. Who was Lazarus. Le troisième, and the third one, c'est Abraham. Rich Abraham. Trois personnages très importants dans Luc 16. Three very, very important characters. Et la Bible dit qu'il y a eu un homme riche. And the Bible said they had a rich man. Il menait une fille merveilleuse. Who has a marvelous life. Il menait une fille de distinction. Had a luxury life. Qui mangeait bien, who ate well, qui se conduisait bien, who behaved well, cet homme, that man, avait une très belle concession. He had a very nice concession. Il y avait un pauvre Lazare. And he had also a poor Lazarus. Donc le corps était rempli de mystère. Oh, the body was full with pores. Il avait des plaies partout, mes he amis. He had plaies everywhere, my friend. Parce qu'il n'avait rien à manger. Because he got nothing to. Parce qu'il n'avait rien à se nourrir. Because he had nothing to feed himself. Alors il partait dans la maison de ce riche. And was going on to the house of that rich man. Pour aller chercher les miettes qui tombent à terre. To go and beg, you know, the scrim falling on the ground. Les miettes qui tombent à terre, qui tombent dans la poubelle. Those same, you know, falling on the ground on the rich. Lazare prenait ça et il mangeait. Lazarus took them and ate them. Et la poubelle dit au point que même les chiens ses usaient. And the Bible said to the point that the dog was. Mais cet homme, ce homme riche. And that rich man. Faisait pas cas. He didn't pay attention de Lazare. Of Lazarus. Il ne s'occupait pas de Lazare. He didn't take care of him. Il ne pensait pas qu'il pouvait aider une personne. He didn't think that he can help a person. Est-ce que vous me suivez bien? Are you following me? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Then what he was doing? Cet homme-là pensait. That man thought that. Bien matériel. That material. Les richesses du monde. The riches of the world. Suffisait pour la vie éternelle. Was enough for the everlasting life. Les richesses du monde. Though the riches of the world. Sans Dieu. Without God. C'est la mort. In death. Le travail. The world. Sans Dieu. Without God. C'est la mort. Is death. Votre beauté extérieure. Your exterior beauty. Sans Dieu. Without God. C'est la mort. Is death. Mais. But. Cet homme-là. That man. Qui avait des biens. Who was good. Qui avait des richesses. Who was rich. Il ne savait pas. He didn't know. Il ignorait. He was ignoring. Qu'il avait un Dieu. That he had a God. Qui le regardait. Who was looking to him. Donnez-moi un amen, mes amis. Give me an amen, my friends. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Then what happened with him? L'argent de Domi.
The money was rolling in. Le bien matériel le domine. The material rules were rolling in. Cet homme-là était orgueilleux. That man was proud. Ses biens, ses richesses ne profitaient à aucune autre personne. His good, his wealth, they don't benefit to God. Oh, Dieu vous bénit, il vous bénit pour une raison. The wealth God bless you, bless you for a reason. Lorsque Dieu vous donne un travail, il vous donne le travail pour une raison. When God gives you a job, he gives you for a reason. Lorsque Dieu vous amène pour croire à la parole et rester sous le ministère d'un homme, c'est pour une raison. When God tells you to believe the word and stay under the ministry, wants you. Dieu ne rend pas quelqu'un riche pour rien. God cannot turn someone rich. Dieu ne vous donnera pas le travail pour rien. God won't give you the job for nothing. Tout ce que Dieu fait a un but derrière. Everything God is doing has a target. Votre argent, your money, vos biens matériels, your material goods, vos possibilités, your possibilities. Le Seigneur vous les a donné. The Lord gave them to you. C'est pour que vous souteniez son œuvre. It's for you to support his work. C'est pour que vous souteniez celui qui est son serviteur, pour que lui le gagne les âmes et que ses âmes soient comptées dans ton ministère. It's for you to support that man, make him soon. Pourquoi la Bible vous appelle le donateur des semences? That's why the Bible calls you the giver of seed. Vous n'êtes pas le semeur. You are not, you know, the seed. Mais vous êtes le donateur de semences au semeur. But you are the giver of seed. C'est le semeur qui doit planter. The sower who must plant. Et vous devez être là pour lui donner les semences pour planter. And you must be there to give him the seed. Mais ce jeune homme riche, and that young rich, il était égoïste, il était orgueilleux, il était méchant, il était indifférent, he was indifferent. Il avait la haine. He had the hate. Et je vous parlerai prochainement. Next, I will talk to you. Sur les 38 malédictions. Upon the 38 curses qui accompagnent ceux qui ne payent pas la dîme étant croyants. Who accompagne those who not pay the tithe being believer. Il y a 38 malédictions qui accompagnent les gens qui se disent croyants mais qui ne payent pas leur dîme et leurs offrandes là où ils écoutent la parole. There are 38 cursing tacked along whoever takes a believer doesn't pay that an offering when he believes the word. Et la Bible nous dit dans Hébreux 7. And the Bible says in Hebrews 7 que l'œuvre qui était dans les reins de son père, de son grand arrière-grand-père Abraham, that the Levi was into the ribs of his avait payé la dîme quand Abraham a donné la dîme à Dieu dans Genèse. Paid the tithe when Levi paid the tithe. Comment quelqu'un qui est dans les reins de son arrière grand-père, as someone who was in the hip of his, you know, four father, pouvait payer la dîme quand son arrière grand-père payait la dîme? Who paid the tithe when his four? C'est pour vous dire que vos dîmes et tout ce que vous faites du bien à Dieu sont comptés même des générations plus tard dans ta postérité. We should tell you that so tight all the world you talk to God are called in later. Je vous parlerai des 38 malédictions qui accompagnent ceux qui ne payent pas les dîmes en tant que croyants. I will talk to you about the 38 cursing that the long walls who don't pay the time as believers. Quelque temps après, few times later, le riche est mort. The rich man died. Le riche est mort. The rich man died. Lorsque le riche est mort, when the rich man died, la Bible dit, non, c'est Lazare qui est mort. Lazarus died first. Lorsque Lazare est mort, when Lazarus died, les anges, the angels, sont venus, came, prendre l'âme, take the soul, la théophanie, the theophany, de Lazare, of Lazarus, et ils ont emmené ça à la sixième dimension, là où Abraham est le chef. And took it to the sixth dimension where Abraham is the chief. Bible dit il est parti sur les reins d'Abraham. The Bible says he went upon the hip of Abraham. Pour se reposer. To rest. Quelques jours, quelques mois plus tard. 3 months later. C'est le riche aussi qui meurt. Was the term of the dead. Mais la Bible dit. And the Bible says. Que le riche était enseveli. That the rich was buried. En d'autres termes, enterré. You know the word is been. La Bible ne fait pas mention. The Bible doesn't mention. La présence des anges. Of the presence of the angels. Qui sont venus prendre le riche et l'amener à côté d'Abraham. Who came to take the rich and take it by the side of Abraham. Mais il était
dans ses veines. But he had been buried. Il était enterré. He had been entombed. En d'autres termes, il est parti dans un autre lieu. In other words, he went to another place. Qui était différent du lieu où était Lazare. Who was different from the place where Lazarus was. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 23, la Bible dit. In Luke 16, 22, the Bible says. Lorsqu'il a levé sa tête. When he lifted up his head. Il était dans le tourment. He was in torment. Nous allons parler de l'enfer et ses habitants. We're gonna talk about hell and his inhabitants. Là, là-bas, nous sommes dans le ciel et ses habitants. There we're talking about hell. Lorsqu'il a tourné le regard pour regarder mes chers amis. When he turned the side to look, my dear friend. Il a vu Lazare. He saw Lazarus. Au ciel. In heaven. À côté d'Abraham. By Abraham's side. Du coup, moi je suis dans le tourment. He said, I've been into torment. Mais Lazare est vraiment là à côté d'Abraham. But Lazarus is by Abraham's side. Il n'y avait pas de souffrance. Over there are no suffering. Et ici, il y a le tourment. But here are torment. Dieu ne ment pas. God does not lie. Ces deux endroits existent. Those four places exist. Sinon, otherwise, nous serions ensemble avec les païens. We will be together with the pagans. Alors pourquoi est-ce que nous avons consacré notre vie pour Dieu? Then why we dedicate our life for God? Si l'endroit que nous allons partir, c'est le même endroit que les païens vont partir, les dénominationnels vont partir, alors pourquoi nous sommes sortis au milieu? If the place we're heading the same denomination, the pagans are gonna go. Lorsqu'il a regardé au ciel, when he looked in heaven, il a vu Lazare. He saw Lazarus. Il a vu Abraham. He saw Abraham. He said, so that place really exists. Alors il a crié. Then he shouted. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Follow me closely, please. Oh, Père Abraham. Oh, Father Abraham. Vous écoutez? Are you listening? Il appelle Père. He called him Father. Là où je suis, je souffre. Where I am, I'm suffering. Je suis dans les tourments. I am in torment. Je vous demande. I am asking you. De dire à Lazare. To tell unto Lazarus. De dire à Lazare, mes amis. To tell unto Lazarus, my friend. Je soif là où je suis. I'm thirsty where am I am. Mais dis à Lazare. Mais say unto Lazarus. De prendre son doigt. To take his finger. De mettre dans l'eau. To dig into water. Et je vais ouvrir la bouche. And I'm gonna open the mouth. Et il va m'envoyer le goutte d'eau pour rafraîchir notre. And he's gonna send me the drop of water to. Parce que là où je suis, je souffre. Because where I am, I'm suffering. Chacun des deux. Every one of them avait une destinée à choisir. Had a destiny to choose. Donnez-moi un amen. Give me an amen. Et votre destinée. And your destiny. Vous ne la choisissez pas après la mort. You do not choose it after death. Votre destinée. Your destiny. Vous choisissez ça pendant que vous êtes vivant. You choose it while you are alive. Tant que vous avez le souffle de vie. While you have the breath of life. Je vous ai laissé assez de temps. I let you enough time. Je vous ai laissé assez de temps. I let you enough time. Pour que tu te repentes. So you may repent yourself. De ta voix. Of your path. Tes mauvaises habitudes. Of your heavy habits. De ton mauvais cœur. Of your heavy heart. De votre haine. Of your hate. De votre jalousie. Of your jealousy. De votre mépris. Of your scorn. De votre médisant. Of your gossip. De vos querelles. Of your arrogance. De votre esprit de grandeur. Of your spirit of fear. Vous a laissé assez de temps. God let you enough time. Pour que vous changez votre paradigme. So you may change your paradigm. Pour que vous changez vos habitudes. So you may change your destiny. Pour que vous changez votre destinée. So you may change your destiny. If you're not. He's been leading where the devil was a rich man. Voici le temps. Here the time. De vous ressaisir. To, you know, seize yourself. Ne pensez pas. Do not think. Toi qui es en train de forniquer malgré la parole que tu écoutes. That you've been fornicating despite the word that you. Toi qui es en train de suivre votre corps avec les jeunes filles et avec les hommes. Alors que vous écoutez la parole. You've been defying your body with the young lady. Ne pensez pas que Dieu est injuste. Do not think that God is being unjust. Vous faire entrer toi là où vous étiez parti Lazare. To make you enter you where Lazarus went. Et de prendre aussi celui qui a souffert. Takes only the other who suffered. Dans une vie de consécration. Within a life of dedication. Dans une vie d'abstinence. With a life of content. Et il va vous mettre ensemble avec lui. And he's gonna put you together with him. C'est que Dieu est injuste. It means God is unjust. Votre destinée éternelle
se prépare sur la terre. Your everlasting destiny is getting prepared for you. Après votre mort, même si on fait des messes et des messes et des messes et des messes, tu ne changeras jamais ta destinée. After your death, if you have a sermon after sermon, you're going to... Dieu vous donne assez de temps pour vous repentir. God gave you enough time. Dieu vous donne assez de temps pour changer votre destinée. God gave you enough time. Votre destinée. Vers l'enfer, if your destiny goes to our head, changez ça. Then change it. Changez votre vie. Change your life. Je vais vous dire, I'm going to tell you, votre propre nature, it's your own nature, qui détermine maintenant de quel côté tu vas partir. Who's determining now which side you're going to go? Ce que tu accomplis dans ta chair, what you're fulfilling within your flesh, révèle votre destinée. Reveal your destiny. Le choix de la vie que vous voulez vivre étant vivant sur la terre. The choice of the life you want to live, be living in earth. Va déterminer de quel côté vous allez partir. Going to determine which side you're going to go. Soit vous allez là où était Lazare. How are you going to go where? Soit vous allez partir là où se trouve le riche. Or you're going to go where the rich man went. Et après la mort, on ne change pas de destinée. And after death, we do not change the destiny. On le change pendant que vous êtes vivant. We change it while you are alive. Et le message de mon cœur. It's the message of my heart. À votre cœur. To your heart. Le patriarche Abraham a dit. The patriarch Abraham said. Entre toi et nous. Between you and hers. Il y a une gouffre. They had a big cleft. Il y a une distance. They had a great distance. Du point que ceux qui sont là-bas chez nous. To the point those who stand here. Ne peuvent pas venir là où vous êtes. Cannot go where you are. Et ceux qui sont là-bas où vous êtes. And those who stand where you are. Ne peuvent pas venir là où nous sommes. Cannot reach where we are. Vous voyez que les prêtres nous mentent. You see that the priests are lying. En changeant la destinée de nos parents qui sont morts par l'argent. By changing the fate of our parents who die by money. Le prince des prêtres. Vient de Satan, dit amen. The requiem call for Satan, say amen. Est-ce que là-bas dehors vous me suivez? Are you following me? Je peux pas vous mettre à agiter ces frères, s'il vous plaît. Can I see your merci beaucoup. Beaucoup. Thank you for that. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? What Abraham say? Ceux qui sont là-bas. Those who are over there ne peuvent pas venir ici. Cannot come here. Ceux qui sont ici. Those who are here ne peuvent pas venir là. Cannot go there. Alors le riche a dit. Then the rich man said. Et Abraham lui a dit. Abraham told. Souvenez-vous que quand tu étais sur la terre. Remember when you were on the earth. Tu étais content. You were glad. Tu as mené une bonne vie. You had a good life. Mais maintenant. But now. Tu es dans le tourment. You are into torment. Lazare a souffert. And Lazarus suffered. Et maintenant il est au ciel. And now he's in heaven. Oui. Yes. Oui mon frère. Yes my brother. Lazare a souffert. Lazarus suffered. Mais dans sa souffrance. But in his suffering. Il avait gardé la parole. He kept the word. Dans sa souffrance. To his suffering. Il avait le Saint-Esprit. He had the Holy Spirit. Dans sa souffrance. To his suffering. Il avait la sémence de Dieu. He had the Spirit. Il avait la nature de Dieu. He had the nature. Il avait le comportement de Dieu. He had the nature. Il avait le caractère de Dieu. He had the nature. Il avait la divinité. He had the glory. Amen. Dans la souffrance. Into the suffering. He haven't betrayed the word. Into the day. Il n'a trahi le message. He haven't betrayed the message. Into the suffering. Il n'a pas crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. He haven't crucified Jesus for the second time. Est-ce que c'est votre cas? Is it your case? Pendant le temps de confinement que nous avons passé, content time we just passed. Chacun de vous a mesuré. Every one of you measure up son christianisme. His Christianisme. Si c'était la pression écuménique. If it was a communic pressure, vous savez où est-ce que vous allez partir. You know yourself where you're gonna go. On ne peut pas servir Dieu et servir le plaisir de la chair. We cannot serve and serve the pleasure of the flesh. Lorsque Dieu est dans votre cœur, when God is within your heart, il t'amènera à faire les choses que Jésus-Christ a faites quand il était vivant. He will take you to do the things Jesus Christ did when he was alive. Vous qui m'écoutez à l'internet, mais qui m'écoutez maintenant. Brother, you listen to the internet or now. Ne soyez pas à la base de la chute d'une fille de Dieu qui a souffert dans sa vie pour garder la parole dans sa vie. Do not be the cause of someone who suffered kept the word of God in. Ne soyez pas content d'avoir fait tomber une sœur et coucher avec elle. Do not be glad to have a sister follow us. Ce sont des malédictions de Dieu que vous avez tirées sur vous-même parce que Dieu vous jugera pour ça. There are the curses of God you are attracted upon yourself because God will judge you for that. Et vous ne pouvez pas être content, chère sœur, and you cannot be glad, your sister, d'avoir fait tomber
trompé un frère. Having a brother fall. Et tu dis avec le courage, tu as fait trop de bouche, maintenant parle encore. Tu es où maintenant? Tu es à terre. And tu es un démon venant de l'enfer, manifesté dans la chair, pour accomplir un but. And you said, so many not, what are you like? You are a demon. Le peuple de Dieu est un peuple saint. The people of God is a holy. Qu'il y ait confinement ou pas confinement. Nous devons garder la parole de Dieu. We must keep the word of God. Nous devons garder le principe de la parole. We must keep the principle of the word. Nous devons être fidèles. We must defend. À notre maître. Unto our master. La fin ou pas la fin. As has come. Le travail ou pas le travail. La souffrance ou pas la souffrance. Mariage ou pas mariage. Nous devons garder la parole de notre maître. We must keep the word of our master. William Branham said, nous avons un ciel à gagner. We have an heaven to win. Et nous avons un enfer à gagner. C'est Frère Branham qui l'a dit. C'est Frère Branham qui en a parlé. Où est-ce que vous passerez votre éternité? Where will you spend your eternity? Il n'y a pas beaucoup de places où les gens vont partir quand ils quittent la terre. There are no many spare people. Il n'y a que deux places. Only two. It's not bad. It's not bad to have a good life. Man. But qui est le donateur de tes richesses? Who's the giver of your wealth? Qui est le donateur de votre argent? Who's the giver of your money? Qui a fait le poste que tu es devenu avec ton argent? Who made of you what you have become with your money? Qui est au centre de votre argent? Who lies in the center of your money? Qui bénéficie votre argent? Who benefits from your money? C'est une prostituée qui bénéficie votre argent parce que tu as de l'argent, tu as la voiture, tu iras en enfer là où se trouve le riche. If it's a prostitute, you have because you have the money and car, will go to hell. La Bible dit. The Bible says. Maison du trésor. Far from the house of the treasury. For them, your tithe and your offering. And your offerings. Si quelqu'un peut me donner un amen. If someone can give you an amen. Tous ceux qui, oh Lord, n'ont pas appliqué la parole du paiement de la dîme pendant tout le temps de confinement. Haven't applied the word of the payment of tithe during all the containment. Alors que tu travaillais, tu avais ton argent, mais tu as refusé de payer ta dîme. Though you were working, you had the money, and you refused to pay your tithe. Pour que Dieu vous pardonne, vous payerez votre dîme avec un cinquième. For God forgive you, pay your tithe with a fifth. Dieu a dit que vous la payerez avec intérêt parce que vous avez mangé l'argent de Dieu. God said you will pay with a fifth interest because you ate good money. C'est quelque chose que le Seigneur vient m'inspirer. Maintenant, je n'avais pas préparé cela à ma prédication. It's something God just inspired me and I haven't prepared. Quel sorte de chrétien vous êtes? What kind of believer? Vous ne pouvez pas aller au travail être béni et ne pas aider votre frère ou votre soeur. You cannot go work and be blessed and not help your brother and sister during the containment. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? What are you doing with your money? Qui est au centre de votre argent? Who's in the center of your money? Vous travaillez pour qui? Who are you working for? Pour Dieu? For God? Ou bien pas pour la copine? Oh, for the boy, for the girlfriend. Pour le copain. Oh, for the boyfriend. Vous répondrez pour ça. You'll answer for it. Oh, Père Abraham. Oh, Father Abraham, je vous en prie. I'm begging you. Là où je suis, je souffre. Where I am, I'm suffering. Mais là-bas dans la ville. But over there in the city. J'ai laissé mes cinq frères. I left my five brothers. Envoyez Lazare. Écoutez-moi bien. Envoyez Lazare. Listen to me. Send Lazarus. Pour aller leur attester ces choses. To go and attest them those things. Pour aller leur dire que l'enfer existe et le ciel aussi existe. To go and tell them that heaven and hell exist. Afin qu'ils changent leur comportement parce que je les connais, ils ne dorment pas à la maison, ils sortent la nuit. Ils reviennent dans les airs tardifs, même les sœurs qui vivent dans des endroits où les autres frères ne connaissent pas pour qu'ils fassent entrer les hommes dans leur maison. Votre corps n'est pas sujet de la prostitution. So that I tell my brother to change the behavior, to pay attention to the body is not subject of prostitution. Ah, la pluie m'a permis de pouvoir aller prêcher. The rain allowed me to go a little further. On va prendre ça comme étant la troisième prédication. We're going to take that speed the third sermon. Gloire à Dieu pour la pluie. Glory to God for the rain. Qu'est-ce que Abraham a dit à Lazare? What Abraham a dit aux riches? Unto the rich. Tu as tes frères. You have your brother. Tu
Tu veux proposer l'air pour qu'ils ne viennent pas ici. You want them to be warm so they don't come here. C'est bien. It's good. Là-bas où ils sont. Over there where they are. Même si on prenait un mort. Even if you take a dead man. Pour aller leur prêcher. To go and preach to them. Alléluia. Amen. Ils ne croiraient pas. They won't believe. Mais là-bas sur la terre. Over there on the earth. Que le son Moïse. They have Moses. Oh, Moïse était le prophète. So Moses was the prophet of the day. Et ils sont aussi les prophètes. And they also have the prophets. Ils sont Moïse et les prophètes. They have Moses and the prophets. Ils sont le message de Moïse et les auxiliaires de Moïse. They have Moses' message and Moses' auxiliaries. Si ils n'écoutent pas Moïse. If they do not listen to Moses. Si ils n'écoutent pas les prophètes et if they do not listen, the prophet and the auxiliaries, they're gonna follow you here. Voyez, you see, c'était trop tard. It was too late. Parce que, because the rich man réfléchissait sur ses voies, was thinking upon his way. Et il était arrivé au point de ne plus changer de comportement, changer de vie. And he came to the point not to change his behavior, change his life. D'autres termes, il a dépassé la ligne de la. You know what? He passed by the demarcation line. Et c'est trop tard pour lui. And it was too late for them. Vous que Dieu a accordé l'occasion de vivre. You know that God granted the opportunity to live. Vous que Dieu a accordé l'occasion d'avoir le souffle de vie. You know that God granted the opportunity to have the breath of life. Je parle de maintenant. I'm talking about now. Changez votre comportement. Change your behavior. Ne soyez pas seulement content parce que une femme est arrivée au pouvoir aux États-Unis comme vice-président. Not be only glad because a woman came in power like vice-president. Je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez pas ou bien beaucoup de gens se sont échappés. I'm gonna tell you something that many people miss. Dieu a amené Trump au pouvoir. God brought Trump in power pour restaurer l'État d'Israël, je veux dire la capitale de Jérusalem. To restore the capital of Jerusalem. La personne qui avait fait ça pour la première fois c'était David, je crois, dans 2 Samuel 6. The person who did it for the first time was David in 2 Samuel 6. Lorsqu'il a conquis tout Jérusalem, when he conquered all Jerusalem, il a fait de Jérusalem l'État ou bien la capitale de l'État d'Israël. He made of Jerusalem the capital of the state of Israel. Et depuis ce temps-là, and since that time, lorsque les Arabes ou bien lorsque les musulmans sont venus, ils ont envahi. When the Arabs or the Muslims came and invaded, Jérusalem était divisé en deux. Jerusalem got divided in 2 parts. Il avait l'ancien Jérusalem. They had the old Jerusalem. Et une nouvelle Jérusalem. And the new Jerusalem. Capitale partagée. The capital was sharing. Parce que la capitale. Because the capital. La partie où il y avait le temple. The part there, the temple. C'est maintenant aux mains des musulmans. Is now to the hand of the Muslims. C'est aux mains des Palestiniens. It's the hand of the Palestinians. Si vous ne savez pas, je vais vous dire. If you don't know, I'm going to tell you. Et aujourd'hui. And today. Dans cette génération. Unto that generation, dans ce 20e siècle, unto crois, that 20th century, Dieu a amené aux États-Unis un président. God brought into the United States a president qui a fait ce que les autres présidents des États-Unis depuis George Washington. Who did what the other president since George Washington? Jusqu'à présent n'a pas fait. Until now, never did. Rétablir la capitale d'État d'Israël à Jérusalem. Restoring the capital of the state of Israel to Jerusalem. Et de la chose, l'ambassade. And you know, remove also the embassy. Obama n'a pas fait ça. Obama haven't did it. Tous les autres présidents n'ont pas fait. All the others haven't did it. C'est pourquoi je vais vous dire. That's why I'm gonna tell you. Abraham dit que les Américains avaient fait, n'est-ce pas, les monuments ou bien les statues des 4 grands présidents du monde. What the Bible said that Abraham did the monument of the 4 presidents of the world. Lorsque Frère Branham est parti, il a envié ça. And what the Bible said, the monument much more he invited. Et Dieu a lui aussi décoré Frère Branham sur la montagne. And God also, you know, gave Brother Branham a go upon the mountain. Pour insérer Frère Branham comme étant le 5e grand homme de l'État-Unis. To insert Brother Branham as being the 5th great man of the United States. Et je vous confirme maintenant. And I confirm you now. Voyez que ça vient du Saint-Esprit. Believe it comes from the Holy Spirit. Que Trump. That Trump. Est le 6e grand homme de l'État-Unis. Is the 6th great man of the United States. Il a restauré l'État d'Israël et la capitale d'Israël. He restored the state of Israel, the capital. Et je vais vous dire avec assurance et sous l'inspiration du Saint-Esprit. And I'm going to give you, tell you assurance and under the Holy Ghost. Le président Joe Biden.
Joe Biden, and the President Joe Biden le septième grand président, is going to be the sixth great president, le septième grand homme de l'Amérique, or the seventh great man of America, qui a accompli une prophétie que les autres présidents passés n'ont pas accompli. Or perform a prophecy that other past haven't fulfilled. Pour la première fois de l'histoire du monde, for the very first time of the story of the world, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, for the first time of the story of the United States, c'est à présent que les États-Unis aura pour une vice-présidente une femme. It's now that the United States will have a vice president. Oh, William Branham, Marion Branham avait dit ça. By William Marion Branham, qu'elle sera soit de vice-présidente, soit de président. That she's gonna be either vice president or president. Dans mon œil de pasteur, into my eyes as a pastor, je ne pense pas que Joe Biden peut finir son mandat. I do not think that Joe Biden will finish his. Alors cette femme accomplira les deux, la deuxième partie de la prophétie de Frère Branham. That, was, that woman will fulfill. Soit de présidente, soit de vice. Président. Là, elle est en train de passer comme vice-présidente. Et si le président n'est pas là, c'est la vice-présidente qui prendra le pouvoir comme président. Alors, observez la vision. Hey, observe the vision. Et dans la Bible, ça se fait. Mais le temps de la fin. What the Bible says is going to be done after. Et parce que Frère Branham parle d'avant le temps de la fin, c'est-à-dire avant l'enlèvement. Dites amen. And what was the Bible before the end times, before the rapture? What remains today as prophecy? Pour l'État-Unis. For the United States. Vous voulez que je vous le dise? You want me to tell you? C'est la descente de Los Angeles dans l'eau. Is, you know, the calling of Los Angeles into water. Comme Capernaum d'Israël. As Capernaum into Israel. C'est la chose qui reste maintenant. Is the thing remaining. Le nouveau président. The new president. A accompli la prophétie. If you fulfill the prophecy, I bring in a woman à la vice-présidente. As first president. Trump a accompli la prophétie. If you fulfill the prophecy, en restaurant l'État d'Israël. By restoring the state. Alors chacun de vous faites le choix. Then each of you make your choice. De là où vous allez passer votre éternité. Where are you gonna spend your eternity? Fais le choix de votre destinée. Make the choice of your destiny. C'est dans la Bible. It's within the Bible. Soit là où est parti Lazare. Either where Lazarus went. Soit là où est parti le riche. Or when went the rich man. C'est pourquoi je vous invite comme votre humble pasteur qui vous aime. That's why I'm inviting you, like your humble pastor, Lord. Que chacun puisse sonder sa vue et qu'il regarde là où il y a les brèches. That everyone may go just laugh and look where there are les brèches. Moi qui font entrer l'ennemi dans votre vie. Places to make the enemy enter within your life. Boucher les brèches. Close those breaches. Dès que vous bouchez les brèches. As soon as you close those breaches. Vous deviendrez une ville forte. You will become a strong city. Une ville puissante. A powerful city. Et l'ennemi n'aura plus des entrées. And the enemy will have no end. Je suis à la fin. I am at the end. Je fais un constat comme vous. I'm making, you know, a constatation like you. Mon ministère est en train de changer. That my ministry has been changing. Maintenant mon ministère. Now my ministry est en train de tirer la véritable épouse du plein évangile. It's been attracting the true bride of the true full gospel à l'adoption. To the adoption. Au baptême du Saint-Esprit. Unto the baptism of the Holy Spirit. Et à la mort en soi-même. And unto the death itself. Si vous ratez cette saison, if you miss this season, je ne sais pas ce qu'on deviendra. I don't know what will become of chacun you. Chacun de vous doit faire le choix de sa destinée. Each one of you must make the choice. Chacun de vous doit choisir où est-ce qu'il passera son éternité. Each one of you must choose where vous ne pouvez pas passer l'éternité en enfer et passer l'éternité au ciel. Vous devez faire un choix maintenant. You cannot spend both of a last year. Soit le nom du Seigneur. Et le prophète. And the prophet says, the prophet says, vous ne pouvez pas être un être vivant sur la terre, you cannot be a being living on the earth, sans être influencé soit par l'enfer ou soit par le ciel, without being influenced either by hell or. Donc pendant que vous êtes vivant maintenant, so while you are alive now, chacun de vous connaît. Every one of you knows. Quel côté se trouve son cœur? Which side lies his heart? C'est là où se trouve son sa destinée. Is there lies his destiny? Là où se trouve votre cœur? Where lies your heart? Les choses que vous faites dans votre vie. Things you're doing within your life. Le caractère que vous manifestez. The character that you manifest. La nature que vous manifestez. The nature that you manifest. Le comportement que vous affichez sur la terre maintenant. The behavior you depict on the earth now. Détermine déjà là où vous irez. Determines where you will go. Change. Votre vie. Let change your life. Repentez-vous. Repent yourself. Et vivez. And live. C'est le dernier message que je vous donne. It's the last message I'm giving you. Bouquez les brèches. So close all the breaches. Fermez les brèches de votre vie. Close the breaches of your life. Là où l'ennemi vous a terrassé pendant le confinement.
Where the enemy, you know, tear down during the quand l'ennemi vous a amené à perdre vos droits. Where the enemy, you know, led you to lose your loss of boucher. Close those breaches. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you all. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you all. Et nous allons la semaine prochaine. And next we will. Vous allez voir que Frère Branham parle réellement de cet endroit. You're going to see that Brother Branham talks really of it. Quelle grâce pour nous aujourd'hui. What a grace for us today. Que Frère Branham notre messager. That Brother Branham our messenger. Aille visiter les deux endroits. He wanted to visit both places. Where were Lazarus? Et là où était le riche. And where was the rich man? Brother Branham visited that. Et nous a donné un conseil. And he gave us a vous avez un ciel à gagner. You have an heaven to win. Et un enfer à éviter. And a hell to avoid. Ceux qui ont les oreilles. Let those have ears. Entendre. Listen. Ce que l'Esprit dit. What the Spirit says. Aux églises. Unto the church. Shalom. Shalom. Abaissons nos têtes. Lower down our heads. Et dis quelque chose à Dieu. And say something to God. Say something to God and pray. Amen. Amen. Vous coupez ça, c'est long. You can cut it. Vous mettez trois prédications. And we put the third sermon. La suite, okay? Next one. Merci. Dites-moi, Seigneur. Gloire et gloire.